Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance aujourd'hui avec l'oracle du soleil levant. Comme d'habitude, c'est une guidance intemporelle, valable à partir du moment où vous visionnez la vidéo et c'est une guidance générale qui ne correspondra pas à tout le monde, donc faites preuve de discernement. Ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation. Alors, on commence ici avec la carte numéro 30. Donc, on parle ici de soutien, de fidélité, de confiance et d'un lien avec une autre personne. Alors, personne que vous connaissez déjà ou une personne qui arrive dans votre vie. En tout cas, cette carte nous parle d'un soutien que vous allez recevoir et vous allez retrouver un climat de confiance. Alors, au niveau du soutien, ça peut être aussi le soutien de l'univers, hein, par exemple. Le soutien de l'univers, l'univers qui met quelque chose en place pour vous aider dans votre situation. S'il s'agit d'une personne, alors ça peut être une nouvelle rencontre, quelqu'un qui fait déjà partie de votre entourage, en tout cas, c'est peut-être ici le moment de vous rapprocher de quelqu'un, de profiter d'une belle complicité. Alors ça peut être au niveau amical aussi, hein. Ça peut être au niveau professionnel, quelqu'un qui va vous aider à avancer dans votre travail ou qui va vous soutenir dans votre travail. Au niveau amical et amoureux, on vous invite à profiter de cette belle complicité parce qu'on a une belle entente ici. Profitez du moment présent. On a aussi une relation qui est sur le point de se transformer. Donc ça peut être soit une nouvelle rencontre qui va vite évoluer, ça peut être une relation amicale qui peut se transformer en relation amoureuse. Peu importe le type de relation, en fait, on parle de quelque chose qui évolue très vite. Vous allez vous rendre compte, en fait, que vous allez pouvoir compter sur cette personne. Alors, au niveau professionnel, le conseil, c'est accepter une aide ou accepter de vous ouvrir à de nouvelles opportunités. On a quelque chose qui est sur le point de se présenter ici. Donc on a un véritable soutien visible ou invisible. Surtout, ouvrez-vous, ne refusez pas d'entrer parce que j'ai l'impression ici que c'est vraiment l'univers qui fait les choses pour vous, pour que vous avanciez dans une situation. Alors, 50, la vague qui nous parle de vos émotions. Alors, de fortes émotions à venir. Ou alors, peut-être que vous traversez une période de grande sensibilité pour différentes raisons. Il peut y avoir aussi un trop-plein à évacuer après des semaines ou des mois difficiles. Ça peut être beaucoup d'émotions ici qui arrivent parce que vous ressentez ce soutien, visible ou invisible. Donc, il y a un trop-plein en fait qui ressort, mais là, vous voyez que vous pouvez de nouveau espérer parce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui va faire que vous allez vous sentir épaulé aussi. Alors, 56, une période de transition, un passage vers une nouvelle situation. Alors, on a une solution qui se présente pour résoudre une situation ou un conflit. Cette solution peut être l'arrivée d'une personne dans votre vie, donc cette personne qui apporte un grand soutien, comme je vous l'ai dit. Et ce grand soutien peut arriver dans différents domaines. Au niveau amoureux ou au niveau professionnel, on vous dit ici que la situation va se débloquer. Vous traversez une étape importante et le nouveau départ arrive. Donc, peu importe le domaine et peu importe la façon dont cela va se produire, le message, c'est que vous allez vraiment recevoir une aide, un soutien. Alors, ça peut se manifester de différentes façons.
Ça peut être une aide vraiment surprenante, en fait, ou un coup de pouce surprenant. Donc c'est vraiment ce qui ressort ici avec ces trois premières cartes. Donc le soutien pour traverser une situation, pour trouver une solution. Alors ici, carte 43. Alors le conseil pour trouver le bonheur, c'est de rester authentique. On vous invite ici à assumer vos pensées, vos choix et vos décisions. Ne fuyez pas devant une situation à résoudre ou devant vos sentiments. Alors devant vos sentiments, mais j'entends aussi devant les sentiments d'une personne. On a quelque chose ici qui n'est pas encore dévoilé. Il y a la notion de non-dit ou de non-avoué peut-être. Alors 40, la foudre ici qui nous parle de bouleversement, de changement inattendu, de retournement de situation. Peut-être une révélation, une déclaration, un coup de foudre aussi possible dans le domaine amoureux. Vous allez avoir la possibilité de changer votre quotidien ou même de changer complètement votre vie. En tout cas, ici, on parle d'un changement qui arrive. Ça peut être un changement inattendu ou très rapide, mais on a quelque chose qui va mettre fin à vos habitudes de vie, à votre routine. Donc ici, bien entendu, on parle d'un événement majeur, d'un changement majeur, que ce soit dans votre vie personnelle, votre vie amoureuse, ou encore votre vie professionnelle. On parle de prise de conscience et de changement de direction. Alors, prise de conscience pour vous ou pour une personne proche, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va se dévoiler ici, avec le masque et la foudre. Vous pourriez faire une rencontre totalement inattendue, avoir un coup de foudre, un coup de cœur. Mais il est possible aussi qu'une personne vienne vers vous pour vous faire une révélation ou une déclaration. Donc ce sera complètement inattendu pour vous. Numéro 20. Alors après ce trop plein d'émotions et cet événement inattendu, vous allez ensuite pouvoir souffler. Et d'ailleurs c'est le conseil ici, on vous invite à vous reposer. On a votre quotidien qui va être assez remué, j'ai l'impression, qui va être bousculé. Mais cela va permettre une amélioration, une réparation et même pour certains une guérison. Donc c'est le moment de lâcher prise et de prendre le temps, prendre du temps pour vous, prendre le temps aussi de passer à autre chose, respecter les étapes, profiter de l'instant présent. Mais en tout cas, on a quand même le fait ici de souffler qui va être quelque chose d'important pour vous et de vraiment nécessaire. Alors, 21. Donc, vous le voyez ici avec cette carte, on parle de nouvelles qui sont en chemin. Pour les célibataires, c'est l'annonce d'une rencontre ou d'un rapprochement. Au niveau professionnel, le conseil, c'est de vous écouter, de suivre votre cœur. On a des nouvelles qui arrivent. Alors, ça peut être une réponse. Ça peut être une proposition d'entretien, un rendez-vous. Ça peut être pour une proposition de poste, proposition de projet. Pour ceux qui sont en poste, c'est l'occasion de travailler avec d'autres personnes ici, de collaborer, de vous associer par exemple. Donc on a des nouvelles qui arrivent aussi par rapport à une demande. Alors diverses demandes selon le domaine. Ça peut être aussi par rapport à quelque chose que vous avez proposé. Ça peut être aussi après une demande de mutation, par exemple. C'est une carte de confiance qui annonce quelque chose d'agréable. Alors, 28. Donc, votre quotidien qui risque de changer assez rapidement,
Ce changement va vous demander de vous adapter et peut-être de gérer plusieurs choses en attendant que tout se mette en place correctement. Alors plusieurs choses, plusieurs possibilités, plusieurs domaines, parce que ça peut aussi changer dans différents domaines en même temps en fait. Alors c'est une invitation aussi à accepter le changement ou les changements et à suivre le courant. C'est pour vous ici quand même l'occasion de passer un cap et de vivre de nouvelles choses. Alors, il est possible que ce qui arrive vers vous n'ait rien à voir avec ce que vous avez vécu auparavant. Ça peut être dans le cadre d'une situation, d'un travail, voire même d'une personne. Cette personne peut être tout à fait différente du type de personne auquel vous vous intéressez d'habitude. Donc, le conseil, c'est d'être souple, de prendre le temps de connaître. L'ouverture d'esprit est importante ici. Donc ne jugez pas aux apparences, vraiment prenez le temps, hein. C'est le conseil des guides. Sinon vous risquez de passer à côté d'une belle opportunité. Alors 36. Les petites attentions et les petits détails feront toute la différence. N'agissez pas non plus dans la précipitation, hein. Prenez votre temps, c'est vraiment le conseil aussi du jour. Il est temps de mettre de nouvelles choses en place pour avoir la chance de vivre quelque chose de beau. Alors prenez votre temps, c'est dans toutes les situations. Ça peut être prendre son temps pour clôturer quelque chose, prendre son temps pour décider, prendre le temps de connaître, prendre le temps de commencer. C'est vraiment respecter les étapes, mais aussi apprécier les étapes. Vous rendre compte, en fait, de tout ce qui se passe dans votre vie. Alors, que ce soit pour le domaine amoureux, pour le domaine personnel ou professionnel, on vous invite à devenir acteur de votre vie pour créer votre bonheur. Surtout, ne doutez pas de vous. Faites les choses du mieux que vous pouvez et tout ira bien. J'ai l'impression qu'il y a eu le départ de quelque chose, un début. Alors, peu importe le domaine, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose qui vous a fait penser que c'était bon, que vous étiez sur le bon chemin, qu'une page était tournée, peut-être que vous avez pensé en fait en avoir fini avec certaines difficultés ou avec votre situation inconfortable. Vous avez, j'ai l'impression que vous vous êtes dit que vous alliez enfin pouvoir vivre différemment. Vous avez peut-être pris quelque chose vraiment pour une victoire ou vous avez pensé que c'était le signe que la roue se mettait à tourner. Mais finalement, ça n'a pas fonctionné. Les choses ont pris une toute autre tournure et finalement, vous êtes déçu. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une déception. J'ai l'impression que vous avez perdu quelque chose ou que quelqu'un n'a pas tenu ses engagements. Parce que moi, il y a vraiment la déception. Alors, ça peut être une personne, hein. Ça peut être une entreprise, ça peut être une histoire de famille, une histoire personnelle, un accord que vous avez passé avec quelqu'un, peu importe le domaine. Alors, vous avez pu perdre de l'argent aussi ou perdre une situation ou, comment dire, changer de situation, mais vous avez l'impression d'être perdant maintenant dans cette nouvelle situation. Vous avez peut-être aussi perdu un contrat ou peut-être que vous étiez avec la mauvaise personne au niveau amoureux. En tout cas, pour moi, ce qui ressort, c'est une grande déception et du coup, vous avez envie de baisser les bras, vous pensez ne pas avoir de chance ou vous pensez
que les difficultés vont continuer et se multiplier même indéfiniment. Alors on me parle d'un retournement de situation, un changement soudain. Donc là, ça sera vraiment en fait la roue qui tourne. J'ai l'image de la roue qui tourne et c'est quelque chose qui va vous faire changer de direction aussi. Alors ce sera un nouveau départ très surprenant pour vous. Ça peut même être un grand virage. Hein. Vous êtes directement concerné. Donc là, on me parle de commencement et de véritable nouveau départ avec une construction solide. Alors, vous savez que rien n'arrive au hasard. Hein. Donc, si vous êtes passé par un échec, une perte de situation, une perte d'argent, une grosse déception, peu importe ce que vous avez connu ici, j'ai l'impression que cette déception, elle était là pour mettre quelque chose en lumière, en fait. Il y avait quelque chose à comprendre ou à retenir. En tout cas, cette fois, vous êtes sur le bon chemin et c'est une porte qui s'ouvre. Alors, vous êtes sur le bon chemin, c'est pas que vous étiez en fait sur le mauvais chemin, c'est que pour moi, il y avait quelque chose à comprendre. Il y avait quelque chose d'important dans ce que vous avez vécu, alors vous n'en avez peut-être pas encore conscience, mais bon, ça, c'est quelque chose qui était nécessaire, j'ai l'impression. On a une porte qui s'ouvre hein, maintenant et cette porte, elle s'ouvre sur votre destinée. On vous dit que tout devient possible. Il y a un cap qui est franchi, j'ai l'impression. Comme si vous étiez passé par les bons enseignements et que c'est pas comme si, c'est presque comme si vous aviez réussi l'examen, j'ai l'impression. Alors, on a aussi des nouvelles concernant l'aspect financier pour certains d'entre vous. On a un courrier ou une communication à ce sujet. Il va y avoir un soulagement ou un apaisement. En tout cas, c'est un tout nouveau départ et la situation sera beaucoup plus sereine pour vous, beaucoup plus calme. Donc, on a un accord. Acceptation de quelque chose ou proposition de nouveaux contrats selon votre situation. On peut parler également d'une décision ou d'un résultat. Peut-être même le fait d'avoir gain de cause dans une situation, par exemple. Mais tout dépend de votre situation. Ça ne va pas concerner tout le monde. Alors, certains obstacles vont pouvoir disparaître par eux-mêmes à présent. On a aussi des solutions et des arrangements inattendus qui vont vous permettre d'atteindre un objectif. Ce sera comme si le feu passait au vert finalement pour vous, pour que vous puissiez avancer. Alors, vous allez recevoir un soutien. Donc, c'est un message qui revient. Donc, soutien visible ou invisible. Donc, ça peut arriver dans tous les domaines et sous différentes formes. Au niveau professionnel, vos compétences vont être reconnues. On a un projet qui a peut-être pris du retard et qui pourra maintenant avancer et même aboutir. Alors, le conseil des guides aussi, c'est d'agir avec votre cœur, peu importe le domaine et les circonstances. L'énergie divine vous entoure. Croyez en vous et nourrissez l'espoir et la foi. Donc une fois de plus, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin et qu'il est temps de vous ouvrir à de nouveaux horizons. Donc restez bien attentifs aux signes parce que les signes vous entourent. Il va y avoir aussi des synchronicités et un souhait peut se réaliser. La période est également propice pour les nouveaux projets. Vous allez débuter un nouveau chapitre de votre vie. Donc, c'est le tout début. Et les semaines et les mois à venir seront une source de possibilités et d'opportunités. Alors, bien sûr, selon vos décisions, vos choix et vos actions. Il faudra vous investir pour réussir. Il faudra aussi saisir les opportunités. Donc une bonne nouvelle qui est en chemin, une opportunité professionnelle,
J'ai l'impression aussi d'une nouvelle pour le foyer, pour la famille ou peut-être le début d'une toute nouvelle relation. Mais il y a le foyer quand même qui ressort. Vous allez voir bientôt plus clairement dans votre situation, vous allez recevoir des signes ou des informations. N'hésitez pas à regarder au-delà des apparences. La situation a besoin d'être clarifiée hein, quand même, j'ai l'impression, pour lancer vos nouveaux projets. Donc n'hésitez pas à régler ce qui peut l'être, à clôturer aussi ce qui peut être clôturé. La lumière va éclairer certaines zones d'ombre et on a un problème ou une difficulté qui va s'éloigner. Alors utilisez bien aussi votre expérience, votre force de caractère, toutes vos capacités. N'hésitez pas aussi à analyser et à planifier. C'est le moment d'avancer avec logique. Donc ici, on a quand même le fait de vous détacher de certaines difficultés. C'est très positif. Et j'ai l'impression, alors il y a la foudre, mais ça me fait penser aussi à une grande remise en question suite aux événements inattendus, imprévus, suite à un bouleversement. Votre situation va changer complètement. Alors pour certains, vous le ressentez déjà. Vous avez des intuitions, certains ressentis, vous avez certaines pensées sans vraiment savoir d'où elles viennent. Pour d'autres, ça va être complètement inattendu. Ça va vraiment être une surprise, quelque chose que vous ne pouviez pas prévoir, quelque chose que vous n'aviez pas envisagé, mais qui marquera cette fin de cycle. Alors, chaque situation est différente. Et chaque personne a des choses précises à vivre aussi. Mais que ce soit l'une ou l'autre façon de vivre les choses, ce sera l'occasion d'un changement profond pour vous. Alors certains aussi verront les bénéfices de ce changement profond immédiatement, et d'autres auront besoin d'un peu de temps. Mais par la suite, vous comprendrez mieux les choses. Et surtout, ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que ce changement apporte une réussite pour vous, une concrétisation dans le travail, dans une relation, dans votre vie personnelle. On vous amène ici une vie différente, j'ai l'impression. Donc une belle relation aussi dans le domaine amoureux. C'est quelque chose de beaucoup plus positif parce que pour moi, vous avez franchi un cap. Il y a un enseignement qui est acquis, j'ai l'impression. Il y a une maturité, une expérience. Même s'il y a encore quelques petites difficultés ici, eh bien, tout va se résoudre et pour moi, le changement, il est vraiment pour le mieux. Donc voilà pour les messages d'aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.